pas de retour du travail. Coco. Bonsoir chérie. Oui, bonsoir, bonne arrivée. Merci bien. Quand même, fais-moi un bijou là. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Pourquoi tu es en retard aujourd'hui? Ah, chérie, tu sais que c'est mois de mai. Et diriger, ce n'est pas un travail facile. J'ai plein de choses à faire au bureau. Tu allais venir trouver que j'ai tué un cadavre ici. Un cadavre? Oui. Pourquoi? Je suis venu trouver les enfants pauvres du voisin en train d'insulter nos enfants. Je les ai frappés comme il fallait. Quoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Mais c'est quand même pas le mien. Ils doivent nous respecter. Ils ne peuvent pas se mesurer à nous. Donc je les ai frappés comme il fallait. Oh, il ne fallait pas faire ça. Toi-même, tu sais que le voisin et moi, nous sommes des parents à plaisanterie. Donc c'est normal que nos enfants s'insultent mutuellement. Viens, on va aller là-bas. Pourquoi faire? Et on va aller demander pardon. Nous sommes des responsables et nous devons donner le bon exemple de cohésion sociale. Allons-y. Quelle soirée! Avec une cour vide. Oui, André. Bonsoir, voisin. Bonsoir, voisin. C'est comment? Ça va bien. Et okay, chez vous? Ça va. Voisin, c'est froid? Il y a de la place. Voisin, j'ai appris ce qui s'est passé entre les enfants et madame. Et je suis venu te demander pardon. Ah, voisin, laisse tomber. Peut-être que madame ne comprend pas le sens du parent à plaisanterie. Ma femme et moi, nous n'avons pas fait un problème. Ah bon? Voisin, ah, vraiment, merci beaucoup. Merci. Ah! Voisin, je suis désolé. Je reconnais mon erreur. Laisse tomber, c'est fini. Ah, voisin, vraiment, merci beaucoup. Mais où sont les enfants? Pour que madame et moi, on s'excuse auprès d'eux. Les enfants, ils ont constitué un groupe de travail chaque soir. Donc, ils sont allés. Et madame est allée à la boutique. Ok. Coco. Oui, André. Et madame, qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous et expliquez-nous. Ils ont tué mon mari et mes trois enfants. J'ai pris ma vie avec celui-là. Et je suis venu dans votre ville pour me réfugier. Et ça fait 2 jours que je suis là. Je n'ai nulle part où aller. Hé, hey, madame, quelle pitié. Madame, calmez-vous. Ici, vous êtes chez vous. Voisin, ce n'est pas simple. Tu as raison. Elle se sent chez elle ici. Hmm? Tu es sans mot, mais apparemment, tu es intelligent. Madame, oui. Calmez-vous. Ici, oui. Nous allons nous occuper de vous. Hmm? Mais avant tout, il faut vous calmer. Ressaisissez-vous et essayez d'oublier les calvaires que vous avez eu à vivre dans le passé. Hmm? Calmez-vous. Hmm? Oh. Vous avez raison. Si je n'oublie pas ce qui s'est passé, je vais mourir. Voisin, je pense que nous devons nous occuper de cette dame. Et quant à moi, j'ai un endroit où l'héberger. Je peux l'amener chez moi. Mon voisin, ici, il y a trop de la place. Ils peuvent rester ici. Ah bon? Ok. Madame, il faut qu'on rentre. Pour que tu cherches à manger pour venir donner aux étrangers. Okay. D'accord, allons-y. Madame, venez, oui. Je vais vous installer.